Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur l'épisode 2 Starbound V5 Please the Giraffe. Chers amis, il faut vraiment que je pense à faire le tri dans mes affaires là, en dehors du premier truc. Je mets mon drapeau ici, je pense même que je vais y poser une torche parce qu'on voit bien bleu sur bleu, ça risque d'être limite. Ok, la torche on la voit pas plus que ça, c'est pas grave, hop on remonte. Oula, oula, il y a déjà un coffre ici, il y a déjà des bestioles qui veulent ma mort. Bah non, tu ne mourras pas. Un pauvre trident. Energy Wheel. Hop, tu ne m'auras pas vu. Toi, tu m'as bien vu, par contre. Là, il y a une chose à aller chercher sous ce bordel. Hop, parfait. Un petit peu de compo, un petit peu de pixels. Toujours intéressant de récupérer les pixels. Vous voyez qu'on est déjà à pratiquement à 20 000 à nouveau. Il faudra qu'on aille refaire la banque. Je vous rappelle qu'aussi je suis en train de farmer les épisodes entre guillemets pour le moment où je ne serai plus du coup là où je suis à l'heure actuelle pour tourner. Ce qui fait que je ne serai plus à même de... En fait le problème ne sera pas vraiment de tourner, ce sera plutôt d'uploader les épisodes. J'aurai une connexion à peine à 50 ou 100k par seconde, donc c'est vraiment trop faible pour uploader une quelconque vidéo. Du coup il faut que je fasse tout ça à l'avance pour vous chers amis. Ce qui en soi n'est pas un véritable problème hein, mais ça prend juste beaucoup plus de temps à l'avance. Surtout en tenant compte du fait qu'il y a deux séries qui vont arriver à partir du 28 juin. Donc à l'heure actuelle, je n'ai même pas encore les clés des jeux, pour vous dire. Donc oui, vraiment, là, à l'heure actuelle, je suis pas à la bourre, mais en tout cas, je suis en mode rush de tournage. J'espère que ça ne se ressent pas trop. Hop. Crac, crac, crac. Tic, tac, tu craques. Alors, là on a des trucs intéressants. Hop, non, rien d'intéressant de plus que ça, ici. Rien non plus. Bon, toujours plus de compos, c'est toujours intéressant de les avoir. Je vois que je suis en train de me faire une petite réserve sympathique vraiment dans le vaisseau, c'est toujours sympa. Bien sûr, je le dis et je le répète, chers amis, quand la 1.0 sera sortie, on sera là pour préparer... un village qui recueillera toutes ces choses que je récupérerai, histoire d'avoir un maximum de crew members, donc de membres d'équipage. Excusez-moi, j'ai du mal à toujours à trouver le mot membre d'équipage. Hop. On avait vu un coffre en dessous, mais ces coffres-là ne donnent pas grand-chose souvent. Voilà. Hop, il y a un coffre encore en dessous, cela dit. Bonjour, hop, merci. Rien d'intéressant véritablement à l'intérieur, c'est bien dommage d'ailleurs. Hop, jolie bébête. Oh là, il me suit en plus. Hein. Crac, est-ce qu'on peut se régénérer un petit coup? Ce serait peut-être pas mal. Eh tiens, on a ça aussi à essayer. Hop. Bah niveau quantité de dégâts, c'est pas faramineux, hein. Faut pas se voiler la face. C'est pas avec ça qu'on détruira un boss. Ah, hop, vas-y, monte. Ah, il y avait le pic à glace aussi que j'avais retrouvé comme outil de déplacement. C'était vraiment sympa. J'avais beaucoup apprécié, moi, l'avoir. Bon, c'est pas la peine. On va s'arrêter là. Ça marche pas. J'ai cru qu'il y avait un coffre en dessous, mais non, c'était une simple... Oula. Une simple plante grimpante, en tout cas descendante. Pas beaucoup de coffres. Hein. Très très peu de coffres, c'est vraiment dommage. Ne vous inquiétez pas, bientôt ça changera. Avec la 1.0, je vous rappelle que les différents biomes ne seront plus levelés comme il faut. Ce sera suivant, ce sera différent simplement. Il y aura aussi plus de biomes planète Terre. Il y aura une plus grosse quantité de biomes sur chaque planète. Aïe, ça fait mal. Pourtant, j'ai bien entendu le truc qui se lâchait, mais non. Il a fallu que je continue. Aïe.
Ok, on a bien vu nos copains là. Aïe. Boum. Crac, ça s'est fait. Ah, putain de mouche. Goûte à ma tapette. Goûte à ma tapette. Voilà. D'ailleurs, en parlant de tapette, on va prendre plutôt un truc qui tape pour de vrai. Boum. Voilà. Ça résoudra plus de problèmes. Ces saloperies, j'ai toujours envie de prendre ça pour choper les sharpened claws. Hop. Crac. Et c'est le petit machin coloré qui fait de la lumière, ça. Exact. Exact, exact. Petit cube là qui est là, oui. C'est lui qui fait de la lumière. C'est pour ça que j'ai bien envie de me trouver une planète sur laquelle il y aura un bloc. Donc pour la 1.0 bien sûr j'entends. Me trouver une planète qui aura potentiellement. Hop, rien là-dedans. Et 3 diamants quand même. Un biome neige, donc une planète sans vie, vous savez, qu'on puisse farmer, enfin créer dessus sans trop de soucis. Et qui comportera donc un biome neige, parce que j'aime beaucoup la neige dans ce jeu, elle est vraiment magnifique je trouve. Yo l'ami, fait pas trop froid? Oh! Ah, ça y est, je suis trop belle. Je suis trop belle. Je voudrais un bonhomme de neige. Oh, viens jouer avec moi. Hop là. Non, je ne prendrai pas de dégâts. Oh, c'est pas passé loin. Oh! Un centre pénitentiaire. C'est parti. Vous voulez venir vous la mettre, les mecs? Je l'ai pas sans... Oh la vache! Il a résisté au marteau, lui. Le divin marteau de Thor, tu as résisté, d'accord. Hop là! Je rêve où elle l'esquive. Oh là là, il a un gun. Moi aussi j'en ai un. Hop, vous voulez jouer à ça? On va le faire, y a pas de souci. Voilà, lui c'est fait. Crac, on va juste traverser, on va pas la fouiller. Hein. Recule. Non, on va y aller avec les points. Hop là. T'es mauvais. Hop. Allez, on y va avec les points, chers amis. Pam. Pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Pam, 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 pam. Faudrait que je la mette en fond, mais non. Je vous ai bouffé mes droits d'auteur. Ils sont tellement... Si vous saviez à quel point YouTube est radin niveau droit d'auteur, c'est violent. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui est-ce qui m'a mis des pruneaux pareils? Gosh, je faisais pas gaffe, je suis en train de taper tranquillement. Il y a un mec qui m'a mis des pruneaux. Hop. Hop les, ça c'est fait. Broken Cutter, d'accord. On a trouvé la fameuse chaise de bureau. Hop là. Hop là. Crac. Oh, elle m'a mis une prune. Deux prunes. Elle m'a redonné une chaise. 36, 46. Ah, allez, on va les taper à coup de chaise aussi, tiens. Vu qu'il nous tape à coup de chaise. Boum! Ah bah c'est efficace, dis donc! Hop! Moi aussi je peux le faire. Oh, un gun! Il est mort?
Et la chaise. Et des trucs là-bas, j'aime bien les récupérer, ces trucs-là. Les steam packs, toujours pratique. Tiens, bouffe. Tu l'as senti, ta chaise. C'est les chaises qui me font autant de dégâts. Juste pour savoir. J'ai bien l'impression. Oh, ta gueule. La chaise de bureau, la meilleure arme du monde. Pensez-y en cas d'apocalypse zombie. 19,90$ seulement. Le plastique similé cuir est en différents coloris si vous voulez. Pour 6 achetés, une offerte. Hop. Elles sont gratuites dans les prisons. Ok, on descend. Oui, c'est de la glace, hein, je vais pas m'embêter à creuser à côté. Ah bah là, c'est plus de la glace. Wow, l'ami. Hop. Bah, tant qu'à faire, autant creuser là où il y a plus de facilité. Ok. Oula. Yo, l'ami. Voilà, je t'ai embroché, littéralement. Ici, on a que du caca. Oh, il m'a touché, j'y crois pas. Ah, mais merde. Touche-le, bon Dieu. Ok. Hop, on va s'arrêter là pour la chute, hein. C'était déjà assez dangereux comme ça. Non. Putain. C'est quoi cette chute de malade mental? Oh là là, ce coffre. Allez, meurs. Allez, meurs le blob. Voilà, c'est bon. Hop, c'est bon. Merde, j'ai pris pour un coffre ce truc-là. Oh là là, mais c'est que ça commence à me saouler cette histoire de... Hop. Crac. Ici, on a une room. Bon. Bon, bon, bon. Ça me dit vaguement quelque chose. Oh nom de Dieu. C'est quoi cette pièce? Oh la gueule. Le niveau de cette pièce. Type électrique, dommage, ça fait la même aura violette. Je préfère une aura de feu ou un truc comme ça, moi. Alors, on est bien d'accord, hein, c'était une aura violette, ça, hein, électrique aussi. 52, alors attendez. 52-1, celle-ci, 52-1 aussi. Forme de marteau, celle-là un peu moins, peut-être. Je vais plutôt prendre celui-là. Ah, un shotgun avec une lumière, ça aurait pu être intéressant aussi. Ok, on y retourne. Pas grave. Aïe. Hop, il y a un gros coffre là-bas où je rêve. C'est pas ces coffres-là, normalement. Aïe. C'est bien ce qui me semblait, c'est pas ces coffres-là, normalement. Le coup de chaise. Ça résout tous les problèmes. D'accord. Ok. Mange ma chaise, mange ma chaise, j'ai dit. Meilleure arme du jeu, la chaise. Allez comprendre. Venez manger ma chaise. Ah, changement de bio. Boum. Oh, t'as survécu. Pauvre de toi, prends-en une deuxième. Voilà, pas de problème. Double tap incluse. 90 pixels, c'est pathétique. On est déjà à plus de 22 000, cela dit. Peut-être pas plus mal que ça n'aille pas trop vite, ou sinon on serait pété aux
aux as. Qu'est-ce que... Ah putain, recharge, c'est bon. Hop, le coup de la chaise. Tu connaissais pas, maintenant tu connais. Oh putain. Qu'est-ce que... Yo. Ah, génial. Ah, on n'a pas de quoi la prendre. Dommage. J'enlève ça. Ça aussi, remarque, je les ai en triple, en double, en quadruple, en tout ce que vous voulez. Connais-tu la chaise de bureau? La chaise de bureau. La chaise de... Oh la vache! Non! Hop là! J'avais pas compris qu'il allait faire autant de dégâts, lui. Oh, ça fait mal. Bon. Bon, bah écoutez les amis, du coup on va se laisser là pour cet épisode. Merci de l'avoir regardé, n'hésitez pas à le pouce vériser, le commenter, le partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam, joueur de la Playroom, n'a pas trop lien dans la barre de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je mets tout ça dans ma banque. Ma banque. Qu'est-ce qui est arrivé à mes sous? Ouais d'accord, j'en avais déjà mis dans la banque hein. Ils sont là? Ils sont là, oh putain. Oh, le coup de stress. Donc voilà, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures, salut les gens. Et yo.